Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Oh yeah! Allez, on continue l'aventure de Medium Live, la chaîne Caribou Canadien. Oh yeah! Pas bon de cacher les petites crottes. Et ce sera proche de tes proches. Mais ça va commencer l'un. On finira l'autre. Va pouvoir te reposer. T'as bien mérité. Voilà. Thank you, madam. You did it, Marianne. T'as réussi, Marianne. Send them away. To a better place, I hope. Hell, anywhere is better than here. Laisse-moi les ramasser à la fin. Thank you.
Okay, Nick. Let's get you out of here. Thank you.
Will you just let me pick you up already? J'ai vu la porte. Monsieur Rekowicz exagère, c'est peu de le dire. Je suis infirmière, pas nounou. Il a besoin de quelqu'un pour veiller sur elle, soit... Mais j'ai déjà suffisamment à faire. Même en oubliant tout le reste, je me dois de m'occuper de ce pauvre monsieur Tapukowski. Quoi qu'il en soit, j'essaie de faire de mon mieux. Au moins, c'est un enfant calme. Elle reste seule la plupart du temps. Elle aime parler de ses amis imaginaires. Mais je crois que c'est courant chez un enfant de son âge. Il arrive de l'entendre créer des conversations complètes, comme s'il y avait deux personnes qui parlaient. Elle est vraiment douée, sans doute que c'est de famille. Et voilà. C'est là que tu as commenté. Et si tu as commencé cet endroit, je n'ai jamais ressenti des ténèbres pareilles. Cette chose était passée ici. C'est là qu'elle a tué pour la première fois. Goûter la mort. Et elle a aimé ça. Les yeux vides. Mon pauvre monsieur Tarkovsky, qu'est-ce qui vous est arrivé? Les tests sont revenus, aucun signe de traumatisme crânien ni de démence. Et pourtant, quand je regarde vos yeux tristes et vides, j'ai l'horrible impression que personne ne me renvoie mon regard. N'ayez crainte, mon amour. Je vais m'occuper de vous, quoi qu'il en soit. Je vais vous choyer. Vous allez voir, 450 mg de valaxacine et ça vous redonnera le sourire. Bonjour mon amour, c'est ton infirmière préférée. Tu es là au moins une partie de toi, j'espère, parce que je veux que tu te sentes. Tout. L'infirmière a été sa première victime, mais pourquoi? C'est un plaisir, je t'aime, coupe-boulon.
kind of sounds like a spy name. Ça fait un peu nom d'espion boulant coulant. Or a movie star, like. Une star de ciné, du genre où on évite d'utiliser son vrai nom. Your real name for. Yeah. Spy name it is. Reste le nom. L'espion. Et Marianne, voyons ce que ton S voulait me montrer. J'espère qu'elle va bien. D'accord. En face. Et voilà, le décaire. All right. Here we go. Bon, ben c'est parti. Cinématique peut-être. Voilà. Marianne. Marianne. There you are. Te voilà. Right. Va bien, j'étais très inquiète. Oh. Yeah. Ouais, c'est bon, ça a bien failli m'avoir. Qu'est-ce que c'est? What the hell is it? Il est né de la honte, de l'impuissance. From helplessness. From rage. La rage. Rage. Oui, comme la colère, mais plus fort. Quand il s'est échappé, il n'a rien pu faire. Il a mangé tout le monde, Marianne. Tous mes amis. Tes amis, je suis la seule qui reste. Tout va bien, tristesse. Je suis là, ma darkness. Non, il va te manger aussi, comme les autres. Je l'empêcherai de faire du mal, promis. D'accord. Prends-moi un peu de cet endroit.
C'est la salle commune, on jouait ici avant. Avec Richard, c'est un de tes amis? Non, mais il était malin. Peut-être qu'il peut t'aider. Il était malin, tu veux dire? Il lui est arrivé quelque chose de mal? Je me souviens qu'il est devenu creux comme une marionnette. Je me rappelle Marianne, je ne veux pas le voir. Quoi ça? Qu'est-ce que tu te rappelles? Non, leur dis pas, ne leur dis pas à personne, ça va, tu n'es pas obligé de le dire. Mais viens quand même avec moi pour que je te protège. Non, Marianne, plus jamais. Christesse, pourquoi tu m'as fait venir ici? C'est là que j'ai compris qu'elle voulait me montrer quelque chose. En personne. On coupe la chair humaine. Richard, tu es là? Are you there? A sheet of music. Partition de musique. At least part of it. Un morceau. Une source d'inspiration. Dommage, j'ai toujours été sidéré par la profondeur et la complexité de son imagination. Hypnotisé par les rêves surréalistes dont son esprit était capable, la façon dont il écrivait jusque dans leurs moindres détails, à croire qu'il y avait réellement assisté à quelque chose ou quelqu'un ou soulevé le voile pour lui montrer un instant l'envers de notre réalité, un ange dément, y a-t-il vraiment une différence? Je ne me suis pas posé la question. En restituant ses visions, sur ma toile, c'est certain, diront que je suis servi de lui pour pallier ma créativité sur le déclin. Mais comment aurais-je pu faire autrement, laisser passer ce moindre vue unique? Depuis, l'inspiration sans fond. Ça, ce serait un péché impardonnable. Une garçon très spécial. Je me rappelle la première fois que j'ai rencontré un travail de base à l'usine, pas totalement rentré dans l'âge adulte, les yeux écarquillés, à regarder sans cesse par-dessus son épaule comme un animal apeuré. Mes parents étaient morts lors de l'insurrection de Varsovie, ce qui avait vécu les années suivantes. Il ne voulait pas en parler, je ne lui ai jamais forcé la main. Mais il est vite apparu qu'il n'avait personne d'autre ici, là-bas. J'ai tout de suite su que malgré sa jeunesse, il a vu des choses que personne de son âge n'aurait dû voir. J'ai tout de suite su qu'il était spécial.
Écoutez-moi les enfants, écoutez-moi. Je vous présente Liliane. Elle va rejoindre notre cours de peinture. Pourquoi je ne peux pas jouer avec mes amis, Oncle Richard? Tes amis? Liliane, j'ai promis que ton père que tu passerais du temps avec mes autres enfants. Amis? Dans sacrifier. J'ai passé quelques années à essayer de pousser dans le bon sens, à lui faire prendre toute la mesure de son potentiel. Il n'arrêtait pas de refuser de prétendre qu'il n'était pas peintre et que nos petites réunions étaient que de simples exutoires et non une expression artistique. J'ai fini par le faire réfléchir. Il a accepté d'entrer à l'université à condition qu'il échouât de l'orientation. C'est ainsi qu'il s'est lancé dans une carrière d'architecte. J'étais d'abord sceptique et je disais qu'il sacrifiait son don sur l'autel de sa passion. Mais au fond de moi, j'étais heureux d'être le seul à concrétiser ses visions. C'est là qu'il a rencontré nos séances de peinture de son espace. Il avait plus besoin de moi pour affronter ses démons inférieurs. Intérieurs, excusez-moi. Et j'arrive de là. Ah, j'avais pas vu. Il ne serait pas mieux en maison de retraite? Et sa famille? Richard n'a pas besoin. Il n'a pas de famille. Le pauvre, c'est comme s'il était ailleurs. On a été proches à une épouse. D'accord, je vais m'occuper de lui. Peu comme une marionnette, ce n'est pas ce qu'il a dit, tristesse. Ce lieu grouille de souvenirs. Mauvaise culpabilité, humiliation, rage. Cette map monde dégage une impression de solitude. Elle paraît incomplète.
folie logique. C'était devenu une habitude. Nous asseyions carnet de croquis à la portée de main. Il fermait les yeux et commençait à parler et décrivait tout ce qu'il voyait. Dans son troisième œil, l'horreur était la splendeur des mondes au-delà de nôtre. Ce qui n'était d'abord qu'un exercice d'imagination innocente a fini par devenir une source d'inspiration intarissable. Ma main ne connaissait pas le repos, la j'acquisait avec fureur, tandis qu'il décrivait l'indescriptible. Je me suis d'abord demandé pourquoi il tenait tant à me faire part de ses visions. Pour lui, elles semblaient être un fardeau, la source d'une souffrance et d'une détresse indécisible. Mais j'ai fini par comprendre. Il voulait les partager avec quelqu'un qui verrait de la beauté et non de la folie. Une autre jonction, elle peut peut-être me montrer une issue.
spark's too weak to absorb. Ça, elle est trop faible pour que je l'absorbe. Ah. J'adore cette mélodie. Ça me rappelle mon enfance. Au moins les bons moments. Mais les mauvais sont toujours là, pas vrai? Tu es une petite fille très maline, Lily. Tu sais, hein? Tu es spéciale. Ta voix, c'est tristesse. Darkness. Sadness. I love this melody. That also reminds me of my childhood. What? Europe. Allez, on coupe la chair. Merci, Richard. Richard, tu as toujours été là pour moi. Je te renvoie l'ascenseur. Mais Thomas, et mon travail, l'université. Richard, je sais qu'on t'a dit. Tu as dû finir par faire chier les bonnes personnes. Reste avec nous, mon vieux. Elle est pour moi, pour les enfants. C'est donc lui qui a fait l'avenir, qui l'a fait venir. Je me demande ce qu'il voulait dire par eux. C'est comme ça que vous l'avez trouvé? Oui, il est tendu là, et elle... Monsieur Rekovitch? Pardon, c'était un ami, laissez-moi un instant. Mensonge, Thomas, mensonge. Je pense qu'il le méritait. So... That's how you... Yes. Mr. Go
Il s'est fiancé et nous nous sommes perdus de vue quelque temps. Maintenant que j'y pense, je devrais être jaloux de ne plus l'avoir tout à moi. Mais au fil du temps, j'ai fini par l'apprécier. Elle aussi, c'est une fille séduisante par sa beauté, par son intellect. Je suis fait à l'idée qu'il avait trouvé le bonheur, l'amour fort et pur, enfin. Aussi pur que possible, j'imagine, avec tout ça. On n'avait plus besoin de moi quand on a émergé le projet qui allait déboucher sur Niva. J'ai joué de toutes mes relations sur lui et obtenir ce qu'il voulait. J'avais beau savoir ce que c'était le meilleur moyen de voir, de le voir s'éloigner de moi. Je voulais le meilleur pour lui. Il était ce qui se rapprochait le plus d'un fil à mes yeux. Le dernier morceau. C'est quoi que j'ai tous les morceaux du parc. La partie sert maintenant. Et voilà. Oncle Richard, j'ai mal au bras. Ça fait des heures que tu me dessines. J'ai presque fini, tu sais, Lily, tu me rappelles quelqu'un. Une petite fille que j'ai connue auparavant. Tu l'aimais? Oui, d'un amour jeune et innocent, sans la férocité de l'âge adulte. Richard. Oh. J'ai du mal à tourner. Je sens le chagrin, le deuil et autre chose. Uncle Richard, might you've been Yes, Firas. J'ai foutu. J'étais foutu, il était au regret de me quand j'ai dit, moi, Richard Tekowski, dont le travail était reconnu pour tous les continents, dans l'imagination, je reprends leurs mots, était sans limite dans le nom même, était synonyme de beaux-arts. Tout ça, dans les bureaucrates des malheurs, s'en foutait. Pour eux, j'étais une menace, une source d'idées libérales dangereuses. Je me sentais très évidé, il fallait que je change d'air, que je m'éloigne de cette ville superficielle. Mais surtout, il me fallait qu'un ami... Dans le portier à sa rencontre, je savais que sa femme était morte quelques mois auparavant. À l'époque, je préférais ne pas m'immiscer. Dans son deuil, je craignais donc à présent qu'il ne me tienne rigueur de ne pas avoir été là quand il avait besoin de plus. Bien au contraire, il m'a offert un foyer.